pourquoi je fais ça? Déjà pour le plaisir. Et puis j'ai surtout envie de montrer que le sport est un vrai moyen de lien social. Ah, ça c'est impossible à dire. C'est vrai que toutes les étapes ont une saveur particulière, mais quand j'étais au Kenya pour la 7e étape, invité par Johan Koval en plus là-bas, donc c'était une étape dure. Hein. J'ai souffert là-bas, c'était dur faire du demi-fond là-bas. Mais une vraie aventure humaine, et ça je l'oublierai jamais. Et ça a donné une autre dimension au projet, ça j'en suis sûr. L'Allemagne. Définitivement l'Allemagne. C'est vrai que l'accueil était plutôt froid. Bon, alors des charges, c'était la semaine la plus froide de l'Europe, hein, donc c'est vrai que j'ai pas eu de chance, mais compliqué comme étape, compliqué. Si vous voulez m'aider, si vraiment vous voulez m'aider, likez, partagez, commentez cette vidéo, dites ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous attendez. Voilà, tout ça, ça donne de la visibilité au projet et ça aide vraiment. Ça coûte que dalle, donc n'hésitez pas et je vous en remercie par avance. Il y a encore la moitié de l'aventure à venir, une vingtaine d'étapes sur les 2 ans à venir. Donc je suis pas fatigué, ça va le faire, hein, on ira jusqu'au bout. Et puis merci encore de suivre le projet. Les prochaines étapes, je sais pas encore, il faut suivre la page. Ah, c'est vrai qu'on me demande souvent ça, est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce qu'on me paye tout? Non, on me paye rien et je gagne pas d'argent. Par contre, je m'enrichis vraiment d'une autre manière. Bon, après, c'est vrai que les sponsors sont toujours les bienvenus. Hein. Il y a Air France qui m'a aidé sur une étape. J'ai mes amis suisses que j'ai rencontrés à l'étape 16 de VTT. Mes amis de Lofort qui m'ont aidé récemment aussi, qui m'ont donné un sérieux coup de pouce. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on verra ce qu'il advienne par la suite. Allez Pierre, allez, allez. Bonjour 26, 44.